Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 mars, donc vidéo tournée un peu plus tard que d'habitude, je pense que je vais la faire un peu plus courte aussi. Donc pour récapituler la journée, ce matin on a commencé avec 2 heures d'anglais. Donc concernant l'anglais, on continue tout ce qui est synthèse de documents et on a eu les notes, que ce soit de la colle ou que ce soit du DS, on a eu les deux notes. Donc concernant la colle, j'ai eu 13, donc voilà, ça va être toujours dans l'intervalle 13-14, donc ça franchement c'est cool. Et pour le DS, bah, j'ai eu la même note qu'au premier semestre, 9,5. Alors ça c'est un peu moins cool, c'est vrai. Mais voilà, c'est des DS sur 50, j'ai re-regardé, j'avais eu 23,5 au premier, et là j'ai eu 24, si c'est ça, ouais c'est ça. Donc ça reste constant avec une légère progression, mais c'est pas fou quoi. Donc on essaiera de faire mieux sur le prochain DS s'il y en a un, sur ce type-là. C'est vraiment un type du vocabulaire à apprendre et des règles de grammaire à appliquer. Ça personnellement j'aime un peu moins, mais bon, on n'est pas là pour faire forcément tous les DS qu'on aime. Je préfère par exemple les DS où c'est de l'expression écrite, où on a le choix de ce que l'on veut écrire, c'est pas guidé. Là par exemple c'est des phrases en français à traduire en anglais en français. Et donc si tu traduis le mauvais mot, bah t'as forcément faux. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus technique et précis. Et personnellement, je préfère quand c'est un peu plus, on va dire, pas évasif, mais quand on a plus de liberté. Donc voilà pour l'anglais. Après on a eu 2 heures de mathématiques où on a avancé les matrices et les matrices. Des exercices aussi sur les matrices. Ce midi, pas de colle. Demain, c'est une colle de mathématiques. Personnellement, je la sens vraiment moyen. Il y a une partie du cours que je maîtrise, l'autre un peu moins, donc je vais encore la travailler un peu. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Après, vendredi, ce sera le DS de maths, comme je vous ai déjà dit. Et là, j'appréhende beaucoup l'algèbre linéaire. On verra bien ce que ça donne, mais en vrai, j'appréhende beaucoup. Et pour cet après-midi, pour y revenir, on a fait 2 heures de TP de chimie où on a travaillé sur la méthode de Winkler. Winkler, je sais pas comment on dit. Et après, on a eu 2 heures de TD de maths où on a continué à faire de l'algèbre linéaire, des exercices pour s'entraîner pour le DS. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, même si elle est déjà bien entamée. Et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!